Bonjour amis du Pacifique, c'est MV44. Salut les amis de l'Antarctique. Et on se retrouve aujourd'hui sur MV44. Ah non, pas du tout. Ah, sur Mario Galaxy, sur Super parce que le jeu est super. Non, arrête, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Super Mario Galaxy 2. Et tout de suite on est parti. Et j'ai loupé mon saut. La vidéo commence bien. Alors, dans la première vidéo, on avait tout récupéré ici. Ça, c'est bon, on l'a fini. Et là, on avait commencé. On avait pris la première étoile et la comète. Donc, il nous manque à aller chercher la deuxième étoile. C'est donc aujourd'hui la partie 2. Hein. La partie 1, on a vu un peu vos retours. Ils étaient assez positifs. Alors, il y a certaines personnes qui demandaient. Pourquoi vous refaites le OAT? Alors ça, on l'avait déjà expliqué pendant la partie 1. C'est parce que le OAT qu'on avait fait il y a à peu près un an, on l'a jamais terminé. Et puis en plus, il avait des montres qu'on faisait pas, parce qu'en fait, on faisait une coopération avec quelqu'un qui a arrêté de faire des vidéos sur YouTube. Donc du coup, ce OAT n'a jamais été terminé. Et en plus, la moitié des mondes ne figurait pas sur notre chaîne. Ouais. Donc du coup, on s'est dit, ah oui, non, oui. Alors ça, ce niveau, vous pouvez pas vous imaginer à l'époque comment on avait galéré pour le faire. Le boss. Le boss, c'est... C'est vrai. Alors là, vous pouvez voir, il y a plein d'iris et plein de lakitu. Donc les iris, c'est les... Alors le lakitu, il est pas très dangereux. Regardez, moi, je suis le joueur 2, je peux le tenir comme ça. Lakitu. D'ailleurs, ça m'avait bien fait parce que... Dans Mario 64, c'est le lakitu, c'était celui qui tenait ta... Oui, c'est celui qui filmait. Qui filmait, et bah à un moment, on tombait sur un lakitu, mais méchant du coup. Ah oui, oui aussi, il y a un moment quand t'es dans une espèce de salle de miroir. Non, si je perds Yoshi, c'est foutu. Ah merde, non, je crois pas qu'on va y réussir. Il y a un moment, si on peut tous les tuer, j'ai jamais très bien compris. C'est cela. Si, tu dois pouvoir. Ouh. Je vais peut-être même perdre mon... Ah oui, si, je vais perdre Yoshi. Ouais, bon. Nous n'avons pas réussi. Oui, donc quand j'essaye de le dire, dans 64, il y a un moment où on va dans une espèce de salle de miroir. Je fais vraiment de la merde là. Et quand on peut voir le reflet de Mario, évidemment, mais on voit aussi le Lakitu qui tient la caméra derrière. Ah, il y avait une vie là-bas, un champignon wagon. Oulala. J'espère que tu vas pas mourir pour la deuxième fois de ce côté. Ah bon, je suis. Ah oui, en effet, dans la première vidéo, je suis déjà mort. Donc échauffement. Dans cette galaxie, il y a un boss, comme l'a dit tout à l'heure, Sacha. C'est moi. Qu'est-ce qu'il nous explique en fait? Il dit, faut pas le tuer. Hein. Ouais, non. Parce qu'en fait, il faut. Oui, je me souviens. En fait, regardez, faut que là, hop, on tape là-bas, bon, c'est relativement simple, voilà. C'est un entraînement pour. C'est fait. Attends, tu te souviens, c'est quoi alors pour prendre le champignon énergie et le champignon one? Oui, c'est, je m'en souviens. Ah, d'accord. Là, ouais, il y avait un petit secret, regardez, en fait, c'est simple, vous secouez en rafale. Voilà. Et là, alors, et là, du coup, ça va permettre d'avoir un champion up. Vous n'êtes pas obligé de le prendre ce truc, hein, mais nous on le prend pour des raisons de sécurité. Voilà, là, pourquoi on a une vie? Ah oui, il y avait une vie. Là, le... Et là-bas, là, le méga champi de la mort. Voilà. Et c'est... Attendez, est-ce que on voit les autres galaxies ici? Non. On n'est pas dans un angle. Ah si, là-bas. Regardez, c'est la galaxie du début. Vas-y, regarde le champignon énergie. Regarde le champignon énergie. Que quand même, on est sur la Wii. Et regardez, elle est capable d'afficher les galaxies qui sont là. Attends, je les vois plus. Bah, tout simplement, les galaxies, voilà, les galaxies qui se trouvent là-bas. Et oui, ça, regardez. Et ça, c'est carrément l'étoile qui est même pas dans. Enfin, c'est même pas l'étoile qui fait partie. On va pas dans cette partie, quoi. Ça, c'est celle qui est dans l'autre étoile. C'est de l'open world. Voilà. Donc, c'est pour dire quand même. Enfin, moi, je trouvais ça. Magnifique. Alors là, vous avez une petite phase encore. Alors là, faut faire gaffe parce que... Attendez, juste avant, je pète ce truc-là. Alors ici, faut faire très attention parce que vous pouvez mourir très facilement. Ah oui, là, il se chronométrait. Parce qu'en fait, regardez, voilà. On entend une espèce de... Si vous écoutez bien, attendez. Et donc, bon, voilà. Comme tous les bons jeux vidéo, le truc qui s'accélère, la musique s'accélère. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Donc le Lakitu, une fois qu'il est tombé comme ça, il est complètement inoffensif. Ouais. Regardez. Et là, vous pouvez voilà, le jeter comme ça. Attends, ça sert à rien. Ah oui, non, ça sert à rien. Non, là, il faut que tu tires et puis après, on va pouvoir boucler. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, Sonic Boom sur Wii U et 3DS est sorti. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Nous non plus. Non, je sais pas si on va se prendre. Non. Et je sais pas si on fera des vidéos. Oui, déjà, c'est. Faire des vidéos. Déjà, qu'on le prenne, c'est très rare. Ça serait vraiment improbable qu'on le prenne. Alors, vous faire des vidéos en plus. Voilà. Alors là, c'est le. Je sais pas comment il s'appelle. Hein. Je pense c'est le roi de la Lakitu. Tu crois que c'est ça? Je sais pas. Bon, j'aime pas son design par contre à lui.
Non, toi t'aimes bien Sonic. Aussi, il est marrant. Enfin, à l'époque. Bah, non, mais je sais pas, il paraît. On dirait un Lakitu obèse en fait, ouais. C'est tout. À l'époque, il nous faisait pas trop rire. Ouais, bah en fait, c'est très con. Ah merde. Si je me fais avoir, en fait, faut juste lui balancer ça comme ça. Ça lui fait un coup. De toute façon, tous les boss ils sont bien pensés. Ouais, après, on a plus ou moins bien. Moi, mes préférés, c'est les Bowser Junior. Ouais, oui, meilleur, mais, ouais, surtout dans les bros. Bah, ils sont impressionnants, mais ils sont jamais très, très durs. Après, ouais. Les Bowser, ils sont vraiment. Dans les bros, c'est. Que ce soit dans Bros. Oui ou Bros. U, les Bowser Junior ils sont bien. Le problème des Bowser, c'est qu'ils se ressemblent complètement à chaque fois. Mais oui, ils se sont inspirés dessus de Bros. DS. De Super Mario Bros. Le Bowser de Galaxy 2. Ah non. Non non, mais parce qu'en fait je me souviens dans New Super Mario Bros DS, t'arrivais au boss final avec une fleur de feu, une ou deux boules de feu, c'est bon, il était mort. C'est incroyable. Tu te rappelles une fois il était mort comme ça? Oui oui. Là, oui, l'avait une on voyait tu sais là, attends je vais vous dire quand là on voyait là le ah oui, de corps de Mario, il était en train de tomber. Non, il était oui mais dans le vide. Oui, oui. Parce que l'avait une iris, non, on était en train de chialer, on était non. Pourquoi? Attendez, encore une petite pièce. Ah, je peux pas enjeter. Ah bah non, je suis avec le Yoshi, c'est pour ça. Et hop, ça y est, on est parti. Alors, notez que... Alors oui, dans le dernier épisode, on a débloqué un Yoshi sur le vaisseau, je vous l'ai pas montré. On vous l'a pas montré, hein, Sacha, le Yoshi sur le vaisseau. Non. Alors, faut savoir que le Yoshi sur le vaisseau... Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors, bon, c'est très connu, mais bon. Il y a peut-être des gens qui découvrent le jeu avec nous. Non, je déconne, on découvre pas le jeu. On l'a déjà fini, 100%. Je sais même pas combien de fois on l'a fini, je l'ai enfin bon. Moi je vous le dirais que c'est un de mes jeux préférés. On a préféré Galaxy 2 que Galaxy. Ah oui, moi je préfère. Mais Galaxy, c'est un peu, je crois qu'il est énorme. D'ailleurs, on vous a fait le WT, je vous invite à aller le voir. Oui, et on l'a fini très récemment. Et donc voilà, là vous voyez, donc là-bas, là, le Yoshi. Et là, en fait, quand vous ramassez. Quand vous ramassez. 1, 2. Attends, c'est notre marqué sur des panneaux, non? C'est combien? Non. Je crois que c'est 8. 1, 2. Non, c'est sur l'autre alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Non, 10. Oui, non, 10, oui, c'est ça, c'est 10. Je pense que c'est maintenant. Voilà, et alors regardez. Ouais, 10. Un des trucs qui m'avait déçu à l'époque, mais bon, maintenant je me dis, oh, c'est tout à fait normal. Hein. C'est que là, je pensais que, vous voyez, quand vous alliez aller dessus, et ben vous allez commencer votre prochain niveau avec le Yoshi. Ben, un peu comme à la New Super Mario Bros. Wii, quoi. Mais non, vous, non. Vous pouvez pas. Quoi? Pas Bros. Wii, hein. Non, pas Bros. Wii, en fait, aucun Bros permet ça. Ouais, bah ben, oui. Mario World. Oui, Mario World, mais les New, non. Ah, tu le fais pas? On a assez, hein. Le coiffre, il débloque quelques locks. Ouais, allez, on va. C'est pas ça que je veux faire. Je vais vous montrer ça alors. Alors lui, c'est invité un coiffre Luma. Bon, on en avait vu dans Galaxy, mais ils étaient dans les niveaux. En voilà. Fait. Non, on avait sur le vaisseau aussi. Ah oui. Mais c'est bizarre, je sais plus, c'est où il y en a et on peut les payer avec des pièces. Ça, c'est dans les niveaux par contre. Ah, je oui, sais pas s'il y en a dans Galaxy 2, ça je m'en rappelle. Ah, si, il y en a. Oh putain, si. Ah oui. Ah, tu vas te souvenir. Dans le premier niveau du monde. Oh là là. Là, hop. Alors, voilà. Donc. Bon, lui il demande des. Alors, j'allais dire Lums, mais non, c'est pas ça, c'est tout simplement le fragment d'étoile. Rayman. Hein. Rayman. Et voilà, ça débloque ce niveau-là, un niveau culte de Galaxy. Ouais. De Galaxy 2, parce que en fait, ces espèces de plateformes, bah, vous allez tout de suite voir ça. Attendez, je retourne ici. Voilà. En fait, ces espèces de plateformes, elles sont très connues parce qu'elles ont été reprises après. Alors, elles viennent de Galaxy 2, hein. Pas de Galaxy, mais de Galaxy 2. Si je dis pas de. Et ouais. Ils ont été remis dans Super Mario 3D Land et Super Mario 3D World. Voilà, donc c'est. Et sauf que dans 3D World et 3D Land, c'est pas du tout pareil, c'est quand tu sautes qu'elle change, alors que là. Bah, non, elle change automatiquement. Oui, quand tu sautes, c'est chronométré. Non, c'est chronométré. Non. Ah oui, non dans 3D Land, oui, c'est quand tu sautes. Même dans 3D. Non. Dans 3D World aussi, c'est quand tu sautes, mais il en a que. Ah oui, il y en a, oui, des vertes et des espèces. Donc là, voilà. Et donc là. Parce que dans Galaxy 2 aussi, il y en a qui changent automatiquement. Il a ses choses ce niveau. Donc là, voilà. Donc ça, les niveaux de ce genre dans Galaxy 2, la reconnaissance de Galaxy 2, ils étaient un peu plus simplistes. Enfin, c'est pas qu'ils sont plus simplistes, mais il faut secouer, vous voyez. C'est-à-dire là, si je veux aller là-bas, j'ai pas besoin de. Vous voyez, voilà. Pareil. Hop. Que dans 3D World, faut que vous fassiez attention. Vous pouvez mourir plus facilement que là si vous secouez pas. Bon, mais c'est pas pour ça. Après, les niveaux, ils ont dans Galaxy 2 le level design est fait d'une manière que, eh bien, vous pouvez crever très facilement. Alors là, ah oui, moi je peux tenir les trucs comme ça. Regardez, tac, je le tiens. Ok, il y va. C'est fantastique. Hop.
Voilà. C'est fantastique. C'est tout simplement surtout incroyable. Franchement, j'adore le mode... En fait, vraiment, j'adore le mode multijoueur de Galaxy 2 parce que vraiment... Ils l'ont amélioré, vraiment, le joueur 2 ne s'ennuie pas. Par rapport à Galaxy, où parfois je m'ennuie un peu, que carrément je jouais pas. Mais vraiment, là, je m'arrête pas du tout. Par exemple, la J2 arrête les champs. Hop, je peux arrêter les champs. Voilà. Comme ça, donc le cas champs, passe c'est sans les trucs problème. Donc bon, là, c'est un niveau... bon, pour l'instant, c'est assez simpliste. C'est le premier niveau de, avec ce genre de plateforme. Mais je peux vous dire que vers la fin, si vous voulez nous voir fail et rager sur un jeu, je pense que dans ce... Oh, il y a la comète, là. Je pense que dans ce souhaité, on va quand même rager. Parce que, bon, c'est pas... Oh putain, je crois qu'il allait revenir parce que là faut faire gaffe. Hein. Les eux là, si vous touchez généralement, c'est adieu. Et vous avez une autre la comète de ce niveau là, c'est chiant d'ailleurs. Attends, concentration. Je le tiens maintenant. Tac, on va aller là. Tac. Là. Non. Là. Nickel. Attention. Tac et l'étoile. Donc voilà, c'est très simple. Mais bon, je vous le rappelle surtout, on a une dans le dernier monde, le monde S, hein, qui est le monde secret. On a une qui est très. Qui est plutôt compliquée. Hein, Alors là, on va dans le. Ouais, on va dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je sais plus, je crois que c'est un lapin. Oui, c'est un lapin blanc qui est là dans notre. Donc là, on peut pas tout de suite faire la suite de ce niveau, parce que vu que c'est les espèces de niveaux cachés, généralement, ils sont que deux étoiles au total, mais la deuxième étoile, c'est une étoile. Ah oui, ouais, donc là, on peut pas. Les étoiles comètes, je pense qu'on les débloque aux alentours du. Attends, on pourra les taper dans le bloc après. Ouais. Donc voilà, alors bon, je désolé le dialogue, bon, il dit toujours en clair le... Il fait un jeu de mots pourri. Hein. Voilà, et à chaque fois il insulte le mec, il fait « Ouais, c'est qui ce con qui vient sur le vaisseau ?» C'est qui ce con, ouais, je suis... Hop, oh, on va récupérer ça. Oh, ça a lagué ? Non. Mais... Non. C'est bizarre, il a pas du tout tourné le dé. Attends, Azure, tu pourras rentrer dans la cheminée. Ok, bah, il va le faire maintenant. Ah là là, c'est le cap. Normalement, faut rentrer par la porte de derrière. Voilà, mais en fait, là, c'est un petit secret. Si vous passez par la cheminée, et ben vous pouvez directement aller là. Voilà. Bon, et là, c'est un truc où vous avez toutes vos. Celui-là, à l'époque, je sais pas, j'étais fâché avec Lucas. Il me disait, tant pis, j'ai découvert un truc dans Galaxy 2, tu peux rentrer dans la cheminée du vaisseau. Moi, je dis, vas-y, monte, putain. Et puis, il me disait, non, tant pis. Ah, oui, moi, je voulais vraiment savoir ce que c'était. Il m'a montré très tard, finalement, ce que c'était. Sacha n'a jamais su pendant très longtemps. Oui, je pensais bien que je faisais. Pendant très longtemps, je cherchais sur YouTube des tutos pour voir. Mais bon. Fauropod et le Ça se trouve, personne ne connaît, on est les seuls à avoir dévoilé ça en vidéo. Effectivement. Et notre vidéo va se prendre un droit d'auteur. GameExplore, tu sais, ils vont voir notre vidéo, ils vont faire une vidéo, tu vois, de même pas 30 secondes, ils vont dans la cheminée, tu vois. Voilà. Bon, cette galaxie, je l'aime pas spécialement, elle est pas. Mais vous allez voir une nouvelle transformation qui est le Mario Forêt. Ouais, Forêt. Donc Mario Forêt, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Bon, c'est connu. D'ailleurs, alors, on avait une rumeur comme quoi. Alors, ah oui. Ça reste une rumeur. Je peux pas. Après, on peut pas vraiment dire si c'est vrai ou pas. Mais que dans Mario Kart 8, il y aurait dû avoir une transformation. Oui. Forêt, en fait, les cartes, au lieu d'avoir de la gravité, seraient équipées de forêt et ils pourraient creuser sous terre. Voilà. Finalement, le projet a été abandonné pour les places à la gravité. Je pense que ça aurait été peut-être une bonne idée. Hein. Enfin, à l'antigravité. Imagine, t'étais sous terre, c'est à toi de prendre le passage le plus rapide, tu vois. Ouais, mais bon, après, je sais pas. Ça aurait été bizarre. Ouais, ça aurait été bizarre. Mais je pense pas que c'était un truc que t'allais sous terre. Je pense que c'était une transformation et si tu touchais le mec en clair, tu le. Je sais pas trop ce que. D'ailleurs, dans ce niveau, on va voir un personnage qui va bientôt avoir son propre jeu. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas dans ce niveau-là. C'est dans la l'étoile. Non, si, c'est dans cette. Si, je crois que c'est là. Il y a le boss. Je sais. Parce qu'il est juste avant. Il est juste avant le boss. Tu sais, il nous propose d'acheter un champignon d'énergie. Oui. Et donc là, voilà. Bon, là, c'est le petit truc. Ah, sauf oui, la comète. Là... Oui, il faut faire attention parce que la comète. Vaut mieux pas l'oublier. Et vaut mieux pas se louper. Hop. Voilà. Ah oui, après, t'es obligé de refaire. Ah oui, non, mais attendez, j'ai fait du dieu. Je crois qu'il faut que je retourne comme ça. Oui, c'est ça. Non, ça c'est pour juste ramasser les petites. Tu peux pas t'en débarrasser? Non, mais j'en ai besoin là. Bah, non, ça allait où il y a l'humain? Oui, non, mais je sais, plus comment. Ah, non, si, c'est bon, j'ai compris. Faut qu'on aille là. Alors, en fait, ça d'ailleurs, ça fait partie des transformations. Que dès que vous rentrez dans un téléporteur, oui, vous le perdez. Il y en a là le Mario de feu, je crois que ça fait ça. Non, quoique. Non, c'est les espèces d'objets comme ça. T'as le. Là, t'as ça, t'as. Le Mario nuage peut-être, non, non? Non, pas Mario nuage, non. On a un autre, je sais plus, je suis sûr. On l'a vu les déchets dans le nuage, non? Non, on l'a pas encore.
Ah, on va bien faire. On va faire attention de pas tomber. Peut-être dans la prochaine vidéo. Allez, je la ramasse. Sachez qu'il me l'a ramassé avant. Donc là, on a toujours le Luma qui est en retard ici. Je sais pas ce qu'il fout. Hé, attends! Désolé d'avoir été aussi lent. Là, on arrive ici. Alors là, je sais. Ah oui, si, si, ça, je pense. Non, triche, triche, triche! Ah merde, pourquoi il a pas tu fait ça? Tu peux tricher normalement, hein. Je suis sûr que t'as déjà réussi. Attendez, on va essayer. Ah, coquille. Faut faire un triple saut. Je sais pas parce que ça fait une espèce d'inertie bizarre. Non, toi, regarde, c'est bizarre. Bon, attends, déjà, on va tuer ces deux. Peut-être que tu l'avais fait avec Luigi. Non, non, ça change rien, ça. Ah, enfin, si Luigi saute plus haut, mais s'il y a une. Je te dis, c'est. Ah putain, crève. Il y a une espèce d'inertie bizarre. Attendez, je réessaye une dernière fois et si ça marche pas, si encore il arrête le. Ah, ah. Attendez. Dernier essai. Non. Non, je peux pas. Ouais. Ça fait un truc bizarre. Enfin, c'est peut-être possible. Hein. Je dis pas que c'est impossible, mais bon. On va oh, tu as de la chance. Ah oui, là, c'est trop là, voilà, là, des pièces. Oui. On va les ramasser. Parce que les pièces dans ce jeu, c'est assez rare, ma foi. Allez, allez, allez. Même si c'est pas la pas d'utilité. Alors, les pièces, ça va rien. Je vous ai dit, sauf si vous avez. Quand vous avez le maximum de pièces au compteur, et eh ben vous débloquez tous les fantômes de Luigi dans tous les niveaux. C'est ça le truc. Capitaine Toad. Oui, Capitaine voilà. Toad. Le... Ah, non. Ah, voilà. Bah, lui va. Ah, Mario, c'est vraiment toi, Capitaine Toad de la Brigade Toad. Donc, voilà. Je sais pas, il sort quand Capitaine Toad. Non, 4 janvier, je crois. Comme ça. Donc là, voilà. Let's play, évidemment. Donc là, là, un méchant pas beau qui est là. Et donc on va tout simplement le tuer. Donc lui, bah, tiens, par exemple, ce boss je le trouve assez original. En fait, vous allez voir, il est assez drôle. Vous avez donc un forêt. Là, on attend. Il va envoyer son espèce d'ennemi. Alors d'ailleurs, si vous... attends, il y a une comète, c'est une seule chose. Là, tu sais, t'as pas le droit de te faire toucher. Oui. Ça, et là, le but en fait, c'est tout simplement de lui donner des coups comme ceci. Parce qu'on peut pas l'approcher. Simplement sur l'approche, voilà, bah ça. Il nous écrase. D'ailleurs, faut faire attention parce que les... quand il écrase, ça, ça one shot. Ouais, ouais. J'aime bien, t'as l'espèce de juste énergie qui explose. Oui, parce que le... là, des jeux où tu meurs direct écrasé. Bah, c'est logique. Donc. Bah, après, là, après, là, un débat. C'est pas un débat. Pas un débat, mais les tchfomps là. Les... Non, les pierres qui tombent là. Comment ça s'appelle ces conneries? Les tchfomps. C'est les tchfomps. Les tchfomps. J'attends qui se retourne. Les tchfomps, donc vous savez, dans Brush P, quand ils vous écrasent, vous mourrez pas parce qu'ils ont des pics en fait, c'est pour ça. Mais il se trouve que dans. Dans. Oh putain, ah, non. Allez, il va prendre 2 heures. Il se trouve que dans 3D Land, si mes souvenirs sont bons, et dans 3D World aussi, ils ont ni pics et ni. Ah, parce que le principe des tchfomps, c'est que s'ils ont pas de pique, ils vous one shot, et s'ils ont des piques, ils vous font juste des dégâts. Hein. Oui. Par contre, vous pouvez pas les toucher. C'est ça le but en fait. S'ils ont des piques, vous pouvez pas monter dessus, mais quand ils ont pas de. Quand ils ont. Tu crois des Wards et 3D Land, ils ont pas de pique et ils te tuent pas direct. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu l'arnaque, je trouve, moi personnellement. Parce que normalement, quand ils ont pas de pique, bon, tu peux monter sur eux et tout, mais par contre, la contrepartie, c'est que si tu te fail, bah tu crèves direct parce que le mec il t'écrase et. Monsieur, je crois que c'est dans 64 et 64 DS, ils sont. Ils font. Moi, ils me faisaient peur, les tchfomps. Ah oui, non, mais ils sont bizarres, c'est une pierre. Ouais, c'est une espèce de pierre bizarre. C'est une pierre, mais. Ah, oui, c'est encore un individu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on va débloquer 2 galaxies que j'adore. Que ce soit celle du bas ou celle du haut, je les aime beaucoup ces 2 galaxies. C'est pas Billy Banane, non? C'est Billy Banane, wesh. Voilà, l'équipage qui est venu. Alors, on a 18 minutes de vidéo, donc on va se quitter là-dessus. On va vite fait aller voir notre capitaine. Taper le bloc. On va aller taper le bloc et aller voir Toad. Alors, vas-y, Sacha, fais-nous gagner de l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Bon, allez, au moins, on va attendez, on va vous montrer le bug de Sacha. Non, c'est avec Mario Nuage. Ah, pourtant, on peut le faire avec le Yoshi. Oui, on peut, mais. On va ramasser une vie. Donc en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On espère que vous aimez bien ce let's play. Nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le tourner. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah après. C'est vrai que ce Noël-ci, je voulais. Bon, on en reparlera dans une autre vidéo, ok? Laissons ce discours à d'autres vidéos. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et bah là, voilà, c'est ça que je voulais parler. Capitaine Toad. Non, Capitaine Toad, il a l'air cool, hein. Ouais, oui. Mais alors attendez, on va essayer de faire le bug.
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Dans le principe, c'est que vous reveniez sur le vaisseau sans. Ouais, ouais, mais nous, bon, c'est pas spécialement un bug en plus. Hein. Oui, c'est juste un petit bug, mais c'est pas un bug. Donc écoutez, on vous dit à la prochaine, tout le monde. C'était MV44. Au revoir. Allez, envole-toi, Mario.